Madame Petit Croco qui me dit que j'ai pué la merde. Allez, c'est bon. Plus envie de vivre, moi. C'est terminé. Mesdames et messieurs, j'annonce officiellement que je m'excuse auprès de la Petit Croco Enterprise pour cette performance ignoble. Je suis désolé de ce que vous venez de voir. Sachez que si je participe à un autre truc, ça ne se reproduira pas de cette façon. Une semaine de train. Ouais, mais j'avais qu'à train plus. Je suis un connard, en vrai. Je joue à Dofus. Dofus m'a tout pris. Hein. Mario Kart, prochain FFS. Non, tu te fous de ma gueule. Mesdames et messieurs, j'annonce officiellement que je reprends les crampons sur Mario Kart, mesdames et messieurs. On va pas se laisser faire ici. Mario Kart, chaque soir, après League of Legends. Qui a gagné, là, faut que j'aille me sub, les mecs. Onitrem. Moi, c'est avec plaisir que je lui offre un sub. J'aime trop Onitrem, il est trop gentil. Et en plus, il est trop fort, ce bâtard. Ok, je me suis remis sur LOL. Ouais. Ok, mesdames et messieurs, on va train un build sur Ashe, inventé par moi-même. On va pas se donner tous les mérites. Le chat était présent. J'annonce Ashe Starwash. Ashe qui a la roue tout le temps. Essence River, Couperet Noir, Bot Cedar, Liandry, Hydrovoras. Non, ça sera pas les Golashes. Et ça sert à rien, mesdames et messieurs, de sortir le flambeau, là. Vous allez vous faire foutre. Ça sera Starwash et pas les Golashes. Alors, au niveau des runes, mesdames et messieurs, ça sert à rien, ça sera Starwash. C'est quand même pas vous qui décidez les noms. Au niveau du build, on va tenter ça, mesdames et messieurs. Donc, en gros, on va jouer ADC, pas support, full gold, donc marché du futur, premier coup, chaussures magiques, avec essence river first. Et dans la game, on va faire un abatteur et on va farmer. Je viens d'arriver, c'est quoi le résultat du tournoi? Ne parle pas des choses qui fâchent, s'il te plaît, dans le chat, tu vas te faire bannir. Ok. Les amis, vous savez comment on l'appelle? Les Golashes. Non, je rigole, Starwash. La scène, ça start. Mais t'inquiète, calmez-vous, les mecs. Ah, quand même, 40 secondes. Ok, j'avoue. Attends, abatteur, je prends maintenant. J'ai jamais pris un abatteur de ma vie. Alors. Bon, j'arrive super en retard. Il a vraiment pas eu un bon pull contre Nidalee. Hein. C'est du trolling de ma part. Ok, elle start là. Je les ai enculés en 1v2. Ah, mais c'est Sharky en face. Bon, c'est un bon main sup. Il est plus connu pour ses sub-tanks. Bon, on va voir le level 2. On va l'avoir. C'est mal joué de leur part. Oh, je suis en train de lui 1v2 là. C'est que le début. Ah, abatteur les frères. J'ai besoin de dire autre chose. Ah mais là j'ai pas un bac de fou par contre. Vas-y, on va partir là-dessus. Ils ont perdu la wave, j'ai juste déglingué. Léona a très bien joué, on s'est mis d'accord. Il m'a ping le canon et il m'a ping le all-in. On m'a dit, il a dit je vais bait le moment où je vais prendre le canon. Ils vont s'avancer pour me punir sur le fait que je prenne un canon. Et je vais l'all-in sur ce timing là. C'est exactement ce qu'elle a fait. Je l'ai compris parce que j'ai un cerveau et que je suis pas ADC. Je suis pas main ADC. Et on les a tués là-dessus. Un main ADC, on n'aurait même pas compris ses pings en fait. Je sais pas où aller, c'est. Allez top. Je veux juste qu'il ait pas le canon. Vous dites j'ai perdu beaucoup d'XP mais il a pas le canon. Non c'est pas vrai. Nice. Pour un canon en moins on va dire c'est fine. Est-ce que je peux me faire dive? Elle est même pas au Drake? Ok, et pour l'instant ça se passe super bien. Vous trouvez? L'abatteur c'est long quand même, j'ai fait quoi? La moitié? En tout cas j'ai pris First Strike, j'ai pris 128 gold. Les bots vont arriver plus tard, je me suis jamais endetté. J'aurais pas dû attendre, ouais. Y'a un monde quand même. Elle a touché, mais bon. Nice. Révèle le chemin.
là, bot CDR, coup près noir, on a dit. Hein. Pour l'instant, honnêtement, c'est ok, hein, les mecs. Hein. J'ai un bon score, j'ai une bonne Leona. La phase de lane, elle était pas dégueulasse. Le marché du futur et tout ça, ça se passe à peu près correct pour un early. Mon but, c'est de jouer un peu ADC utilitaire, en gros. J'ai la batteur. Ah putain, la tour elle tombe au top. Il est en 0-4. Ok, donc je vais devoir tester un Renekton. J'ai encore tapé sur les minimaps, les mecs. J'en peux plus. J'en peux plus de cette minimap. Non mais il y a un problème, en fait elle est trop grosse sur mon écran. En vrai avec ADCH, ou alors faut que je me concentre un peu plus, mais ça me fait jamais ça en jungle quoi. Je commence à me dire qu'il y a un truc, tu vois. En tout cas, j'ai déjà pas mal de CD alors là, ça fait plaisir. Franchement, j'ai pas mal de souvent mon ZAD et tout. Hein. Hey, les mecs, je taffe. Hein. Les mecs, ça taffe. Hein. Pas de tir. Non, j'ai décidé que je ferais sans tir. Pour l'instant, j'ai un truc tout prévu dans ma tête. C'est quoi le troisième item? Putain, je me rappelle plus. L'abatteur, je peux le vendre, non? Ok. Ouais, on a dit quoi? Attends, c'est le moment où je fais le Liandry, là? Ça me paraît chaud, en vrai. Là, ça commence à être suspect, non? Le moment du Liandry, non? Y'a quoi d'autre comme mythique, en vrai, que je pourrais faire des... Liandry, ouais, c'est pas mal. Vas-y. Il a rien pu faire là? Je suis bien optile hein. Qu'est-ce qu'ils prennent? Mais attends, oh! Mais attends, comment je peux poke autant et que tout le monde en ait autant rien à foutre? Vous vous rendez compte du contrôle que j'ai là? Ça a peut-être manqué un peu de peps quoi. Tu fais pas de dégâts. Non, en vrai, là, plus tard, oui. Mais là, non, ça allait en vrai niveau dégâts. Là, en fait, vous pensez que je fais pas de dégâts, mais c'est parce que. Enfin, il y avait rien en fait. J'ai même pas pu les proposer. J'ai pas fait une auto-attaque. Y'a pas d'ADC qui aurait pu auto-attaque là. C'est ça le problème en vrai. Là, je peux pas vous laisser dire sur ce fight que je fais pas de dégâts, puisque. Dans tous les cas, les dégâts que j'ai fait avec la salve. Enfin, n'importe quel autre ADC n'aurait pas pu les placer en fait. Parce que je pouvais pas m'approcher et mettre un cac. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, se casse. Allez, on flip. Il l'a pris dans le cul. Il est sûr du col là? Pas dire que je suis inutile. Alors les gens qui disent que je suis inutile, là je suis désolé mais vous avez pas le droit. J'ai peur du Liandry pour l'instant dans le build. J'ai très très peur de ce que ça peut proposer. Si t'avais un build classique, t'aurais explosé la game. Non, faux menteur. Faux plus menteur. Je dis pas que le build est bon mais... Faux pour le truc du si j'avais un build classique, j'aurais explosé la game. Hop, on donne la vision. Par contre, si j'avais un stuff classique, on aurait peut-être fini le Nashor.
je fais des dégâts, hein, mais là j'ai plus de mana par contre. Comment je régène de la mana? Faut que je mette une auto-attaque sur quelqu'un, sur un minion, ça marche? Merde, j'ai pas vu! Ils vont tuer. Enfin, franchement, c'est pas mal, hein! Franchement, vous trouvez vraiment que je sers à rien, là? Putain, c'est dommage, j'ai pas vu le truc de Liandry, je pense que j'aurais carré ça. En fait, faut que j'arrobasse pour savoir combien il me faut de gold, mais ils vont voir que je fais Liandry, ça va les tilt. Vous pensez que je suis à peu, là? Faut que j'écrive en même temps que j'arrobasse. Merde. Ok, ils ont pas vu. 54 gold. On attend. Une strat avance. Il y en a plein de strats comme ça. La glace n'est pas douleur. Personne dépèse dans ta team. C'est pas grave, l'important c'est de voir le potentiel, mesdames et messieurs. Arrêtez de tout diriger sur la victoire ou la défaite. C'est. On est dans une vieille solo queue, genre. Vous trouvez pas qu'il y a un potentiel là? Sérieusement. Liandry, il est utile sur le Z, non? Non mais les mecs, c'est une dinguerie en vrai. Oh! Mais attends, les mecs, si vous trouvez qu'il n'y a pas de potentiel, vous êtes ravagés par contre. Hein. Liandry, bonne idée les mecs. Hein. Ah, les mecs, c'est moi ou je suis en train d'investir avec une équipe là? Non mais j'aimerais être sûr de ce qui est en train de se passer en fait. Avec une arrow toutes les 30 secondes. Non mais attendez là. Là si vous allez me dire que c'est de la merde, là je suis pas d'accord en fait. Non mais vous avancez pas en fait. Non mais y a pas de dégâts, mais c'est vraiment tout sauf ma faute hein, par contre. Faut vraiment me trust là-dessus. Les mecs, faut me trust, les mecs. Franchement, c'est vraiment fort, je trouve. Là, c'est parce que vous avez l'impression qu'il y a personne. Mais il y a personne qui DPS alors que. En vrai, je suis vachement utile en fait. Ah, vous allez me tilt parce que vous allez dire, il y a pas de dégâts, c'est de la merde. Ça va me tilt. Faut pas que je lise le chat. Y a les silver, ils vont me dire, oh, votre dégâts, non, rien. Oh, non, c'est bon, t'es silver, ta gueule. Je sais pas, je vais tenter étreinte démoniaque. En vrai, là, j'ai trouvé ça trop fort là. L'early phase de lane qui est positif, hein. L'utilité que j'ai dans les teamfights. On va voir s'il y a pas de dégâts à la fin de la game en vrai. Juste pour troll. Je crois que les gens se rendent pas compte. Hein. Jet DPS, on s'est fait défoncer par Victor dans la backlane. Victor a one shot toute l'équipe. Franchement, il a bien joué là. Bien joué, Victor. Allez, si ça tient, c'est pas mal. Non. L'étreinte démoniaque, il va être dur à tenir hein, en termes d'HP hein, avant que ça arrive. T'as pas de team pour follow. Ah oui, non, mais là, je pense que j'ai pas une bonne équipe. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal ce qu'on fait en ayant pas une bonne équipe en étant à DC là. Hein. Souvent, je pense qu'on a un peu trop cumulé les CC là. Le fait que je joue H avec Skarner. Ça c'est chiant tu vois. On aurait un truc genre Kha'Zix, on aurait gagné la game je pense. Je sais pas si je vais faire beaucoup de dégâts, l'écran démoniaque, faut vraiment que je teste. En tout cas Liandry est valide. Hein. En plus c'est trop fun à jouer pour le coup. J'ai bait. J'ai encore tiré sur la minimap. Hein. Je sais pas ce qu'il faudra faire pour ça. Cinq mon arrow. Mais ils font rien là-dessus hein. En fait on a un Zilla de mid aussi, vous voyez, on a pas de carry mid. En vrai il y a eu plusieurs problèmes. On a un full CC mid, enfin ADC et... Je peux pas le tenter hein. Je vais le tenter. Tant pis. Oh ils ont arrêté. Oh il m'a touché hein. J'aurais peut-être tenté plus d'arrow par contre. Bah là c'est pas de chance parce qu'au final on peut dire que ça gagne du temps sur l'un côté.
ça tue, tu penses? Ah, il a pas, on a pas de dégâts en fait. Mais c'est pas que moi, vous voyez, on joue avec un Zilanid aussi. C'est vrai qu'il y a eu peut-être une petite embrouille sur la compo, je pense. Mais ça n'empêche que je trouve mon pick trop trop fort. En fait, vous pouvez pas dire que ça a pas de dégâts, vous pouvez dire que là dans cette compo ça rentrait vraiment pas quoi. Avec Skarner, Zilean, un peu une catastrophe d'avoir pick ça. Mais je vais faire ce pick après. Il gagne ou pas? S'il gagne, c'est démentiel. Hein. Léona qui arrive. Il joue bien. Hein. Ok, j'arrive. Faudrait que je teste mandat impérial au lieu de Liandry. Je sais pas. Mandat impérial donne combien? Parce que ça rajouterait des dégâts à mes coéquipiers en fait. Ça leur ferait du bien. Et c'est aussi 20 CDR. Je pense que Liandry c'est moins bien que mandat impérial. Ah mais là oui, là mais j'ai pas de dégâts mais bon. Qui a des dégâts sur ça en fait? Je sais pas comment je pourrais DPS. Enfin en vrai le truc c'est que je vais même pas mettre d'auto-attaque là. Faut être logique hein. Là imaginez je joue H ADC là. Mais je mets pas d'auto-attaque sur ce Renekton, je meurs instant hein. Vous êtes d'accord hein? Quand même. Ou est-ce que je le dépop? Ouais parce que dans ce cas là je peux lâcher une BOTRK dernier item tu vois. Et essayer de jouer là-dessus mais... Moi je préférais l'Hydrovoras ouais. Hydrovoras c'est fort hein. C'est trop fort ça sur H, vous allez voir. C'est close. C'était super intéressant en vrai. Ah, le Renekton il était dur. Hein. Il était dur le Renek. L'arrow qui revenait c'était pas mal. Hein. Putain, deux arrows dans le même teamfight. Franchement, j'ai été utile, vous vous rendez pas compte. Hein. Je vous jure, la vie de ma mère, vous vous rendez pas compte. Hein. C'était bien ce que j'ai fait, vraiment. C'était pas. J'étais là les mecs. Hein. J'étais là. Hein. Y avait pas grand chose dans l'équipe. Hein. On avait trop de CC et pas assez de dégâts, clairement. Le nombre de situations que je peux créer, mais je les crée entre guillemets, mais elles ont pas d'impact parce qu'on manque de dégâts derrière. Mais je suis désolé, mais si vous jouez H, vous savez très bien que H, quand ça met une arrow, c'est pas H qui doit DPS les gens après l'arrow. Enfin, ça a jamais marché comme ça, tu vois. Ce qui est fort dans H, c'est le CC de l'arrow, hein, à la base. Moi, j'ai trouvé ça fort, en vrai. En plus d'être giga fun, mais... J'ai même pas envie de changer le build, hein. Il y a juste là-dessus, où entre Liandry et Manda. Ça, je sais pas. Combien tes runes? Ouais, je vais regarder. Franchement, c'est viable, hein, viable. Ça, c'est bien.